Moteur, ça tourne. Scène 7, plan 1, première. Action. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier. Tu crois donc que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine. Tu veux stop, donc... Stop, stop. La perche est dans le champ, on la refait. Allez, moteur. Ça tourne. Scène 7, plan 1, deuxième. Action. Tu veux... Merde. Bon, écoutez, fin de tournage, on arrête tout. Vous me décevez, là, franchement. C'est pas compliqué d'apprendre ce texte. Allez, bonne soirée. Salut. Ça s'est bien passé. Et dis-moi, là, ton espèce de pote, là. Fred ? Ouais, voilà, Fred. Tu le trouves pas un peu bizarre ? Bah non, pourquoi ? Bah je sais pas, moi je le trouve... vraiment il me fait peur. Je le trouve bizarre avec toi, dans sa façon d'être avec toi, sa façon d'exprimer, même sa façon de marcher. Je sais pas, il me paraît vraiment juste n'importe mec. N'importe quoi ? Mais c'est mon avis. Bah je sais pas toi, moi j'ai passé une super soirée. Bon, à part le fait que... Léa, elle m'a un peu saoulée, hein. Elle a toujours me parlé de ses problèmes, là, et puis de vomir dans les chiottes, toujours finir bourrée. Oh, franchement, ça me gave, je te jure. Et puis son ex, là, il me parle tout le temps de son ex. Ah, bah, il m'a trompée, machin. Bah, en même temps, elle choisit le bon mec, quoi. Enfin, je sais pas. T'en penses quoi? J'en pense rien du tout, j'en ai rien à foutre de ta soirée, j'en ai rien à foutre de Léa, j'en ai rien à foutre de son ex. Bah, pourquoi? Mais parce que c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Mais le problème c'est qu'il y a personne qui suit les directives sur le plateau, que ça m'énerve et que j'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Bah t'as peut-être plus le truc. Et puis arrête avec ça. Comme tu veux. Salut Alex, c'est moi. Putain, mais c'est quoi cette odeur? Ça pue, ça vient d'où? C'est quoi ça?
Mais tu fumes des joints maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, lis ça. C'est quoi ça? C'est l'idée, ça, mon gars. Ouais, parce que je lis pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la merde. Il t'arrive quoi là? Et tu bois aussi maintenant en écrivant? Oh, c'est bon. T'es pas mon père. Je suis peut-être pas ton père, mais là je suis en train de remarquer que mon ami se drogue, il se met à boire de l'alcool et tout entre. Et ça... alors? Mais c'est encore cette fille qui t'a mis tout ça dans la tête? Oh, arrête. Mais elle a une influence de merde sur toi. T'as vu ce que t'es en train de devenir, une vraie loge. Et ton haleine, on dirait un chacal. Oh, tu baisses d'un ton. Non, je baisse pas d'un ton. Tu causes correctement. Qu'est-ce que je cause correctement? T'es chez moi, tu causes correctement. Ouais, c'est encore cette fille qui parle ou c'est toi? C'est... Ferme ta gueule! Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Explique-moi! Oh! Quoi, oh? Parle! Pense à casser. Casse-toi! Non, je partirai pas. Casse-toi! Tu vas le regretter, mon ami. Super. Oh putain de merde! Il est où l'appareil photo? Scène 5, plan 1, première prise. Action! Tais-toi! Si tu te voyais en train de crier ces mots, tu es laide! Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec... Non! Putain, mais vous êtes nuls! C'est quoi ça? Vous dites comédien? Et toi, t'es pas foutu de suivre? Et toi, en quoi tu m'aides? Hein? Jamais les bonnes instructions, jamais les bons conseils. Vous me faites chier! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Laisse-moi t'expliquer. Y'a rien à expliquer. Alex, reviens. Fous-moi Alex, la paix. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Deux minutes. Reste deux minutes, on t'explique. Y'a rien à expliquer. Il est où, mon matos? Fallait bien que je paye le dealer. On fait comment, nous, sans argent? C'est toi qui m'as fait tomber dans cette merde! Non, c'est pas moi, c'est toi tout seul! Ah ouais? Moi, je fume, c'est mon problème! T'as essayé, tu t'es mis dedans, bah du coup, je te fous. Qui c'est qui m'a foutu dedans? Pas moi. C'est toi ça. Toi tout seul, reviens! On n'a pas fini de t'expliquer, reviens! J'en ai fini! Reviens! Fous-moi la paix! Tu te fous vraiment de moi!